C'est l'histoire d'Odette et Louise sur un amour impossible. L'amour vaincra, ou pas. Oh, j'ai reçu un texto. Louise, je ne la connais pas. Bonjour Odette, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Vous êtes qui? Je suis Louise, une copine de Stéphanie. Elle m'a dit que vous êtes une gentille fille. Ah non, je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de déroute. Ils ont parlé beaucoup, et après quelques semaines, ils ont eu un rendez-vous. Je suis très heureux de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Vous êtes une fille très gentille et intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents ne savent pas que nous sommes amoureux. Pourquoi pas? Ils n'accepteraient pas les lesbiennes. Ils sont très catholiques. Ce n'est pas grave, c'est notre secret. Odette voulait dire la vérité à ses parents. Avec beaucoup de nerfs, elle a rassemblé le courage pour leur dire. Maman, papa, oui. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît? Oui. J'ai une relation. Excuse-moi? Avec Louise. Louise? Tu ne veux pas dire Louis? Non. Une fille? Ce n'est pas possible! C'est une catastrophe! Tu n'es pas une lesbienne! Mais vous ne me comprenez pas! Oh, merde! Odette, nous ne sommes pas d'accord avec cette relation. Nous avons décidé que tu dois remettre ton portable. Oui. Et tu dois finir cette relation immédiatement. Non! Oui? C'est ça! Non! C'est fini! Oui! Odette a dit à Louise qu'elle ne peut jamais avoir du contact. Après quelques jours, Odette a reçu un texto de Louise qu'elle a quelqu'un d'autre. L'amour est mort, l'amour est vide. Il a rejoint les goélands.